Bonjour à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons présenter le Battery Backpack vendu par GoPro. Donc le Battery Backpack, c'est quoi? C'est une batterie supplémentaire qui se branche derrière votre GoPro. Donc comme vous pouvez le voir, elle est ici. Donc elle est vraiment très fine. Donc elle est munie d'une prise mini USB. Derrière, on peut voir qu'il y a la fiche pour la brancher à la GoPro, le petit clip de l'autre côté. Et bien sûr, le petit bouton pour allumer ici. Donc vous allez voir, je vais appuyer avec mon doigt, hop. Et là, on voit qu'il y a la batterie qui est rechargée à 3 barres sur 3. Donc par la suite, dans ce pack, quand vous l'achetez, vous avez aussi ce boîtier. Donc ce boîtier va vous permettre de ranger le LCD Backpack et le Battery Backpack. Donc vous avez le choix entre les deux. Donc regardez, c'est très petit et ça rentre bien partout. Donc là, c'est le squelette, donc le boîtier squelette et le boîtier fermé. Donc le boîtier qui va se rajouter à l'arrière par rapport à l'autre, vu que le batterie est plus grande que la GoPro. Donc ici on a le fil qui vous permet de recharger. Donc faites attention, c'est le fil seulement pour le Battery Backpack. Il ne peut pas recharger la GoPro et la GoPro ne peut pas recharger le fichier Backpack. Donc voilà. Donc ensuite voilà, vous pouvez rajouter, comme vous voyez, le boîtier additionnel en plus que vous avez quand vous l'achetez. Là on va ouvrir la boîte et mettre le backpack. Donc ça vous permet aussi d'avoir une batterie supplémentaire, donc vous avez plus du double, donc 2 fois 1,5 il me semble. Vous la mettez sur le côté et ensuite vous la clipsez, faites pas le contraire sinon ça marchera pas. Hop, vous pouvez clipser votre GoPro et comme vous voyez elle est un tout petit peu plus épaisse, mais au moins vous avez, on va dire, 2 fois 1,5 la batterie de ce qu'elle a. Donc mes prochaines vidéos vont pas tarder, je pense faire comme on me l'a demandé, quelque chose comme apprendre à utiliser GoPro Studio pour les nuls. Et bien sûr, je vais acheter ma nouvelle GoPro qui vient de sortir. Comme vous pouvez le savoir, il y a une nouvelle GoPro qui est sortie qui s'appelle l'Aero 3 Plus. Donc je vous invite à me suivre aussi sur Twitter. Je sais pas si ça marchera, mais bon, je vous invite quand même. Et le lien est juste ici. Et par la suite, vous pouvez visiter mes deux dernières vidéos qui sont justement comment apprendre à utiliser le logiciel GoPro Studio 2.0 et aussi le test de décalgueur l'autocollant pour votre GoPro. Allez, salut tout le monde !